Je m'appelle Khadijat Ibrahim, élève en classe du CM1. Moi, c'est Mehouna Abdullah, élève en classe de 6e. Je me présente Rabiat Ibrahim, élève en classe du 6e. Je m'appelle Jamila Ibrahim, élève en classe du CM1. Nous allons lancer un message au futur président du 2021. Excellence, Monsieur le Président, n'oubliez pas que vous avez demandé au peuple de vous choisir. Travaillez pour ce peuple. Que vous êtes élu par le peuple. Soyez à l'écoute de votre peuple. Que vous avez prêté serment. Respectez la Constitution. Vous rendrez compte à Dieu. Méfiez-vous de l'injustice. Excellence, Monsieur le Président, inspirez-vous de points forts de vos successeurs comme Feudori Hamani pour ses créations des industries et la valorisation des produits nigériens. Fese Nkunje pour sa rigueur et son intégrité. Mama Ousmane pour le respect de la démocratie. Feu Ibrahim Barry Menassara pour l'amour de son pays. Feu Tante Mamadou pour sa détermination, l'amour de son peuple et la volonté de sauver son pays. Mamadou Sou pour ses initiatives et ses réalisations. Excellence, Monsieur le Président, votre peuple attend beaucoup de vous. Parmi ces attentes, on peut citer entre autres ramener la stabilité dans nos universités. Un an pour 9 mois d'année académique. Réduire les impôts. Ceci permettra aux citoyens de s'acquitter de leur devoir. Créer un environnement propice aux affaires et aux créativités. Agir sur le recouvrement de façon rationnelle. Recruter suffisamment des agents compétents de l'État et bannir à jamais le PAC. Parents, amis, connaissances. Garantir l'égalité des chances au concours d'enfants des troupes, de la douane, des officiers, d'entrée à la fonction publique, etc. Moderniser l'agriculture et l'élevage pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Favoriser la protection de l'environnement pour sauver les espèces animales et végétales. Excellence, Monsieur le Président, pour la réussite de vos actions, il faut avoir un gouvernement formé des ministres technocrates et intègres. Travailler pour l'intérêt de la nation. Lutter contre l'injustice, la corruption et le détournement du denier public. Vive le président de la République, incarnation de l'unité nationale. Vive le Niger et son peuple, tous ensemble pour un Niger uni et prospère.